Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Weaven, un build scalpel. On va commencer par les compétences, donc je vous explique rapidement ce que fait le scalpel. Le scalpel, à chaque fois qu'il est soigné, il va avoir un scalpel, du coup, qui va tomber sur la cible qui a le plus de points de vie. Actuellement, mon scalpel, il est niveau 41. On va prendre en première gemme, nous allons prendre, lorsque votre héros est soigné, inflige aussi les dégâts de son passif à l'adversaire ayant le moins de vie. En deuxième, nous prendrons soin apostruqueur. Lorsqu'il gagne de l'armure, votre héros déclenche son passif. Lorsqu'il est soigné, votre héros gagne 2% de sa vie max en armure, ce qui est plutôt pas mal. Et en fait, du coup, quand il gagne de l'armure, il enclenche le passif. Donc, à chaque fois qu'il va se heal, il va claquer deux fois le scalpel si on n'a pas cette gemme là, et du coup avec celui-là il le claquera 4 fois, donc ça commence déjà à faire pas mal. En plus on va prendre la compétence qui s'appelle soin rapide. Le soin rapide, ça fait que soigne deux fois un allié de 10% de l'attaque de votre héros, donc ça va nous permettre du coup, si on cumule avec ces deux là, de taper 8 fois puisqu'il y aura 2 heals, donc 2 bonus d'armure. On va prendre un maximum d'attaque puisque les dégâts scale sur l'attaque, donc on a pris une fois les 50% et 3 fois les 20%. De l'autre côté, on va prendre une fois 50% de vie pour être sûr de ne pas mourir. Surtout qu'on gagne plus d'armure en fonction de nos points de vie. Donc, on prend ça. Et on prend deux fois le 25%. Au niveau 41, on a 899 points de vie à l'heure actuelle. Sachant que nos anneaux sont très faibles. À part l'anoctane, les trois autres anneaux sont très faibles. Voilà. Au niveau des anneaux, nous partons sur l'anoroscope. Vos flammes ont le vol de vie. Donc, pour le moment, à lui tout seul, il ne fait rien. Mais nous avons avec celui-ci, du coup, lorsqu'un de vos compagnon feu attaque et déclenche flamme, ce qui fait qu'au final, lorsque l'un de mes compagnons va taper, je gagnerai, il fera 17 de dégâts supplémentaires, mais je subirai un heal, et du coup, en plus du heal, nous aurons le proc, le proc de 2 points de vie et d'armure, donc nous taperons 4 fois nos adversaires. En plus de ça, nous avons coup de grâce avec un sort feu, déclenche une flamme, qui, du coup, 11 sur chacun des adversaires, donc à chaque fois qu'une flamme va proc, hop, on va le remonter en haut. À chaque fois qu'une lame va proc, on va faire du vol de vie. Et grâce à ce vol de vie, ça nous permettra, du coup, d'enchaîner plusieurs coups de scalpel. Je crois que mon record, c'était un truc du genre 26, rien que grâce à cet anneau. Voilà. Et nous avons, début du tour, votre héros se soigne de 50% de son attaque, ce qui nous permet du coup de sustain, mais surtout de directement, dès le début du tour, d'enchaîner avec 4 coups gratuits, 4 attaques gratuites. En plus de ça, nous jouons avec le brassard enflammé. Attaque déclenche 2 flammes. Du coup, grâce au brassard enflammé, nous allons pouvoir proc 2 fois l'anoroscope, qui lui ira proc 2 fois les passifs de notre super scalpel. Derrière, nous avons du coup en compagnon un compagnon qui coûte pas grand chose. Il y a des fois, j'arrive à avoir ma sentinelle affûtée, ou en tout cas tour 2. Donc, au final, je trouve que la sentinelle affûtée, c'est assez fort. Sachant que la sentinelle affûtée, du coup, elle nous permet de régénérer nos jauges de feu, donc pouvoir jouer plus rapidement nos amis Hilda, Igror et Dark Vlad. Hilda, potentiellement, je compte la switch, mais il faudrait que pour cela, il faudrait que je loot. Alors potentiellement, dans mon objectif et dans mon build, Hilda pourrait être changée. Je voudrais la changer par ma très chère Julith, mais je ne l'ai toujours pas loot à l'heure actuelle. J'ai beau farm, je ne la loot pas, et j'ai pas envie de dépenser mes gold pour... mes ressources pour... Pour le moment, il y a beaucoup plus de choses intéressantes à avoir, sachant qu'on ne joue pas autour des compagnons, mais potentiellement nous pouvons invoquer les compagnons, donc voilà. Derrière, nous avons Igror qui va nous permettre d'appliquer huilé régulièrement. Pour le moment, nous n'avons pris aucune amélioration, mais ça risque d'arriver. Nous avons aussi du coup le Dark Vlad. Le Dark Vlad, du coup, qui a pour effet plus 25% d'attaque pour le reste du combat, c'est clairement mon personnage préféré. J'ai rajouté dessus plus 14% d'attaque à ce personnage et mort plus 20% de chance d'invoquer Gul'tard autour de lui. Voilà, du coup j'ai pris celui-là et celui-là. Je compte l'améliorer encore en prenant, donc pas cet effet, mais simplement les 14% de points de vie, mais j'attends juste qu'il augmente encore un peu. Ici, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre ces deux bonus. J'attends qu'il y ait d'avoir les 200 pour prendre les deux bonus. Ce qui me permettra, du coup, à chaque fois qu'elle va crit, de proc deux fois la jauge feu. Ce qui va me permettre, du coup, d'invoquer plus facilement mes compagnons. Mes autres compagnons, qui seront bien plus utiles en late game, lorsqu'on commencera à devoir s'affronter contre des donjons trop difficiles pour nous. Au niveau des compétences, nous avons le laboratoire de flammes, la cure dévorante, première cure caustique, coupe saignante,
le cure alternative, la cure ardent, la cure corrosive, la cure purgative et le soin rapide du coup qu'on a pris tout à l'heure. Mon deck est un deck à 9 sorts puisque j'ai aucun de mes anneaux qui m'impose de prendre plus. Ici, j'ai simplement amélioré un maximum le niveau de mon laboratoire pour qu'il ne meure pas au premier coup de mes adversaires. Autrement, j'ai amélioré cœur ardent. J'ai pris toutes les améliorations qui existaient, donc le plus 30% de dégâts au sort, le critique vol de vie et plus 15% de chance de coup critique de ce sort. J'ai fait ça pour déjà à chaque fois qu'il va crit, ça va me faire du vol de vie. Vol de vie sur 109, c'est énorme. Du coup, on va se heal quasiment un huitième de nos points de vie, même plus d'un huitième de nos points de vie. En plus de ça, ce sort est très intéressant puisqu'il nous provoque deux aura cœur de flamme si la cible est huilée. Nous avons un sort qui huile qui coûte 2 et nous avons bien évidemment Igror qui va pouvoir huiler. Donc voilà. En plus de ça, grâce aux dégâts importants qu'il fait, 109, je vais pouvoir proc régulièrement mon anneau qui est là, l'anneau Kralamurtan, qui va pouvoir, du coup, faire le combo qu'on a parlé tout à l'heure. C'est clairement un finisher chez moi, ce sort. Parfois, j'utilise quand même pour entamer les cibles, mais en principe, c'est un finisher. Nous avons aussi amélioré la cure purgative, qui me permet du coup de faire une AOE autour de moi qui fait 86 de dégâts. En plus de ça, si je fais soutien, donc soutien, c'est un truc que seuls les Inirypsia peuvent faire, c'est lorsque je cible un de mes alliés, et que là où proc autour d'un allié, je récupère 50% de drain de vie. Donc ça veut dire que j'ai une chance sur deux de me heal lorsque j'attaque en plus de mes flammes. Donc ça pourrait faire encore plus de scalpel qui tombe. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce sort. Avec ceci, j'ai pris le plus 30% de dégâts de ce sort. Par la suite, je prendrai que lorsque je fais un coup critique, votre héros déclenche explosion. Et le 15% du coup de chance de coup critique supplémentaire. Il me reste plus que... Enfin, je veux juste les prendre en même temps, donc il va falloir que je paye 50 de plus. Ce qui est très intéressant pour celui-ci, ce serait de prendre plus 50% de blindage lorsqu'on l'invoque, car on a vraiment envie de le garder le plus longtemps possible. On peut aussi avoir le critique, plus un aura cœur de flamme à votre héros. Ça sert à rien de parler plus, je vais vous faire une petite démonstration dans un combat. Hop, on est parti, vous voyez, j'ai réussi à farm jusqu'ici, j'ai même pas essayé le niveau 62, on pourrait le tester, mais je vais faire un niveau que... Donc du coup, je vais faire le niveau 60, que j'ai déjà réussi une première fois, je vais pas faire le niveau 62, puisque je ne connais pas du tout le combat, et je sais pas du tout si je peux le réussir, je préfère vous montrer un combat que je peux réussir. On est parti. Vous allez voir que ma vie fait que de se régénérer en boucle, donc vous allez voir, c'est vraiment cool. Il faut juste faire attention à pas faire d'erreur, évidemment on commence avec une bonne main en plus. Très bien, on va regarder, il faut tuer celui-là en dernier, évidemment c'est celui qui a le moins de points de vie, non c'est celui-là qui a le moins de points de vie, ok. Et celui qui en a le plus, c'est celui qui est en haut là, repousse les adversaires adjacents de cases, ok. On va claquer pour commencer ce sort-là, du coup qui met l'huilé, et là on va du coup claquer ça pour retirer l'huilé. Lorsqu'on a un cœur de feu autour de nous, hop, on va se placer à cet endroit-là. Lorsqu'on a du coup un cœur flamboyant, c'est ça hein, le nom. Lorsqu'on a un cœur de flamme sur nous, ça nous permet de faire 38 de dégâts à notre adversaire et de nous heal nous de 38. Et du coup, d'activer notre passif. Lui va me pousser sur la case là, je présume. Il ne pousse pas lui. Ok, très bien. Donc là, vous avez vu, les scalpels sont tombés. J'ai pas compté combien on avait fait de scalpels. Là, on va se heal. Donc là, on a déjà 2 procs de scalpel. 3, 4. Ok, on commence avec 4. Je pense que je vais pas les compter pendant le combat. Je vais essayer de me concentrer un peu. Je vais vous le noter au fur et à mesure. Ici, je vous mettrai un petit texte. Bon, pas à l'endroit que je vous montrais, puisque j'ai ma tête. Mais je pense que je vous mettrai... Je pense que je vous mettrai un compteur de scalpel au fur et à mesure. On est parti. Du coup là, comme je vous ai dit, on est parti pour ce heal le plus possible. Let's go. Là on est déjà à 4 le tour. Hop, un petit crit en plus. Hop, let's go. 4 là, on s'est pris 8 de plus. Ça a crit, c'est parfait. On va invoquer notre collègue. Hop, la petite invoque. Et là, on va taper, du coup, on a dit... lui, il doit être tué en dernier, donc on va taper celui-ci. On va taper... celui-ci pour prendre le moins de dégâts possible. Let's go. Là, on est à peu près à 12. On va refaire un autre sort de vie, de vol de vie sur lui. Et là, on va attaquer celui-là et on fera 8 coups de scalpel. Alors nos tours à cause des animations durent très longtemps, on finit souvent le timer, mais c'est pas grave.
si vous envoyez les si vous envoyez dans le bon ordre les combos, au final vous êtes entre guillemets gagnant. Parce qu'au final, même si votre chrono est fini, le combat continue. Donc là, on va pouvoir normalement tuer avec ce sort-là, et vous allez voir le supra combo que ça fait. Ah non, on va pas pouvoir... On va le tuer avec celui-là, du coup. Regardez, hop, on lui tape 100, mais là, par contre, on a 4 boules qui tombent, qui nous augmentent, du coup, de 44 nos points de vie. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 4 scalpels qui sont tombés, 5 scalpels qui sont tombés, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 scalpels qui sont tombés juste grâce à ça. C'est vraiment énorme. On va partir du coup cette fois-ci pour taper celui-ci. Alors ce qui est encore mieux, c'est qu'on réussit à égaliser deux mobs. Là, c'est incroyable. Et si on réussit à égaliser deux mobs, c'est incroyable. On a deux fois plus de scalpels qui tombent. Il y a une compétence pour le faire, mais moi je trouve que c'est pas worse. Je trouve que c'est pas vraiment worse, mais on a quand même une compétence qui pourrait nous permettre de le faire. Ça nous permet d'égaliser les points de vie d'un perso ciblé à un autre personnage. Ok, là on est parti. Hop, les scalpels qui tombent. Parfait, là il est à 67, on va pouvoir faire ce sort. Explosion autour de moi, et on est reparti. Vous voyez, hop, les boules de feu qui tombent sur tout le monde, les dégâts qui vont sur tout le monde. Lui, il faut surtout pas qu'il descende trop bas. Par contre, je vous le dis directement, un défaut du scalpel, c'est que les challenges, ils sont très compliqués à réussir. Parce qu'au final, vos scalpels tapent un peu n'importe comment, quoi. Équilibrer les points de vie des mobs, c'est vraiment compliqué avec le scalpel. Voilà, donc en fait, là, on a fail, puisque ce sera lui qui mourra en premier. Là, je vais vous montrer ce sort-là, vous allez voir, ça va faire 8 AOE. Enfin, 8 scalpels, 1, 2, 3, 4. Et ça nous fait à nouveau 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est le mauvais qui est mort, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas que les tchals qui nous font loot, hein, bien évidemment, tout nous fait loot, donc c'est pas grave. Et là, comme vous voyez, je peux aller beaucoup plus haut en vrai, c'est juste que j'étais un peu frileux, mais je pense que je peux aller encore quelques étages plus haut. Alors, je dirais pas que je peux vaincre le sang maintenant, mais avec mon stuff actuel, mais en l'améliorant un peu, c'est sûr et certain que je peux atteindre le sang, j'en doute pas. De toute façon, lorsque je réussirai le 100, je vous ferai une vidéo. Parfait. Donc là, vous voyez, même si on n'a pas réussi le tchal, on a quand même des loots. Bien sûr, aucun loot qui nous intéresse, mais le principal, c'est de loot. Donc voilà, je vous ai fait le tour de cette vidéo. Je ne vais pas rester plus longtemps avec vous. J'ai pas envie de faire une vidéo beaucoup trop longue. C'était ma première vidéo de build depuis la sortie de Weaven en Early Access. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, et surtout dans les commentaires, dites-moi ce que vous changeriez dans le deck, car il y a possiblement des choses à changer, sachant que je compte jouer ce build en full feu, et je suis en train de préparer derrière, du coup, un autre deck feu haut. Et derrière, je suis en train de theorycraft un deck que haut, que je vous donnerai, que je vous détaillerai plus en détail plus tard. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Ciao !